Oh putain, y'a plus de barrière. Hein? Putain, j'ai scratché à côté, j'ai eu trop peur. D'accord. Toi, tu faisais comment? Là juste avant avec l'autre. Salut à tous, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo, ce sera un vlog, donc vous allez me suivre avec moi durant cette journée. On va sortir des bêtes en pâture, donc ce sera des vaches avec des gros veaux. On va sortir des genisses dans la semaine, donc du coup ben là faut qu'on les vaccine contre le BVD. Qu'on sélectionne le lot des genisses de 2 ans qui ira à taureau avec notre taureau blonde Aquitaine et qui vêlera à 3 ans. Je voulais vous dire aussi que Pantoufle se prépare à vêler, enfin d'ici un mois, hein, je dis pas. Je voulais vous montrer qu'elle commence à avoir du pis et de la naissance. Donc là, je sais pas où elle est. Je l'ai vue tout à l'heure et je me suis dit, par rapport à une semaine, c'est vrai qu'elle a beaucoup. Enfin, hein, elle a pris quoi quand même. Donc du coup, je vous montre ça tout de suite. Nous voilà arrivés à Pantoufle. Donc elle va venir nous voir. Ça va, ma fille? J'ai déjà donné quelque chose ce matin. Là, on peut voir son pis qui commence à gonfler légèrement. Je pourrais pas vous montrer sa naissance parce qu'elle est pas dans le bon sens. Mais voilà, pour vous dire qu'elle se prépare et que ben, je vous dirai de toute façon des nouvelles quand est-ce qu'elle va vêler. Voilà, oui, t'es belle ma fille. De cette vidéo, enfin du début de la vidéo, parce que ça nous prendra 2 jours de sortir des bêtes, et vu que je suis pendant 2 jours là chez mon père, ben, je vais vous filmer sur 2 jours du coup. Hier on a sorti quelques vaches avec des veaux, on a dû faire 4 voyages. Faut savoir que nous on sort les vaches avec les veaux, on fait des lots de veaux femelles et des
des lots de veaux mâles dans les champs. Comme ça, quand on les rentre, c'est plus pratique pour sevrer et trier nos génisses et nos broutards. Là, il doit être 7h30 ou un truc comme ça parce qu'on a deux génisses qui partent à l'abattoir. Donc on voulait être présent pour que, quand le camion il arrive. Et là, on va déjà commencer à trier des bêtes pour les emmener tout à l'heure. Voilà. Donc on va pour trier nos vaches, en fait, on va aller chercher celles qui sont tout au bout là-bas. On les fait passer dans le couloir, ce sera plus pratique, et on les emmène dans la cour de devant. Comme ça, on mettra notre bétaillère à l'autre bout et ce sera plus simple pour les faire monter. Ça va tout seul, notre couloir là. Du coup, donc ce matin, on sort des vaches avec des veaux et cet après-midi, on sortira les génisses de 2 ans qui sont là. Les génisses de 2 ans, on a fait donc du coup le lot qui ira à taureau et l'autre, c'est des génisses du coup de viande. Ben voilà, je pense que j'ai tout dit. L'après-midi, on va charger les génisses de 2 ans. Born from the ashes. 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 Born from the. Born from the. You can't suffocate my spirit. 'Cause I'm the king of my own throne. Throne. Oh, oh, oh. King of my own throne. My own throne. You'll never see me fall, fall. You'll never see me fall. Watch me run.